C'est assurément la rencontre qui devra ramener la quiétude entre les musulmans du Gabon. Les travaux préparatoires du tout premier congrès extraordinaire de la communauté musulmane du Gabon ont été lancés ce dimanche 21 janvier 2024 sur fond de fortes recommandations. Il est crucial que les résultats de ce congrès reflètent un consensus large et soient le fruit d'une réflexion collective profonde. Sachez que vous aurez le soutien total du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon tout au long de cette démarche. Des ressources telles que l'accès à des experts externes, des documents de référence et un soutien logistique seront mises à vos dispositions pour faciliter votre travail. Nous vous remercions par avance pour votre dévouement et votre travail acharné. Ce congrès extraordinaire est une étape cruciale pour la communauté musulmane du Gabon et votre rôle dans sa préparation est essentiel. Nous avons pleine confiance en votre capacité à relever ce défi avec succès. Nous attendons avec impatience de voir les résultats de votre travail et nous sommes convaincus que vos efforts contribueront grandement à la paix, à l'unité et au progrès de notre communauté. Plus qu'une simple rencontre, les assises du 4 février prochain interviennent dans un contexte marqué par des troubles au sein de la communauté musulmane du Gabon depuis quelques temps. D'où toute la nécessité d'une réflexion poussée susceptible de résoudre avec ambition et réalisme les problèmes, tant internes qu'externes, rencontrés au sein de cette congrégation dans notre pays. Nous sommes à l'aube d'une étape cruciale dans l'histoire de notre communauté. À un moment où nous sommes appelés à façonner l'avenir avec sagesse, détermination et unité. Mes frères et sœurs, à la fois, les travaux que nous entamons aujourd'hui par cette cérémonie d'ouverture vont fixer le cadre, l'ordre du jour et les objectifs du Congrès. Ils doivent répondre à l'immense soif de changement exprimée par de nombreux fidèles ces derniers mois. Nous devons avoir le courage d'aborder toutes les questions, même les plus sensibles, celles qui fâchent ou celles qui ne fâchent pas. C'est pourquoi je vous propose et nous propose à tous de placer ce premier congrès extraordinaire sous le thème de la refondation de la communauté musulmane du Gabon. Quel chantier prioritaire ! Deux principaux groupes, hommes et femmes, plancheront donc durant 14 jours sur ces travaux, repartis sur 5 axes majeurs en vue de l'élaboration d'un document clé prenant en compte l'avis du plus grand nombre.